L'église armée royale, les fidèles célèbrent la résurrection sans le fondateur, le pasteur Daisy Champion. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Cette parole vient de s'accomplir pour Guinon Désiré alias Daisy Champion qui a bâti une œuvre à la gloire du Créateur. L'église appelée l'armée royale Sisa Yopougon Ananré devrait dans son programme initial réunir tous ses fidèles ce dimanche 1er avril pour célébrer la résurrection du Christ. Le culte a eu lieu mais dans une atmosphère lourde accompagnée de pleurs et de lamentations. Des fidèles qui ont appris la nouvelle de la disparition brusque de leur papa ont tenu à participer au culte. Ce sont des fidèles meurtris dans leur chair avec des visages graves pour certains et pour d'autres des pleurs en à point finir que l'homme de Dieu, prophète Abimaël a tenté de remonter le moral. Vous n'êtes pas seul, vous avez Dieu, vous nous avez. Daisy a rassemblé. Il a tout apprêté pour vous. À vous d'assembler, car, il vous a laissé un héritage dédié au Seigneur que vous devez prendre soin. Ne pleurez pas. Votre père spirituel Daisy n'aimerait pas vous voir triste, a-t-il exhorté. Naomi Ziki, mère spirituelle du père fondateur de Champion, Ministries a apporté le réconfort aux fidèles. Il ne sert à rien en ce moment de se lamenter et de pleurer. Restez unis dans le Christ, a-t-elle indiqué. Les enfants dans l'espace qui leur est dédié, c'était également la tristesse qui se lisait sur leur visage. Toute personne qui montait à leur niveau ne pouvait pas retenir ses larmes. Rappelons que Daisy Champion est décédée dans la nuit de vendredi 30 à samedi 31 mars à l'hôpital de Bingerville. L'église armée royale qui revendique plus d'une centaine de fidèles est née officiellement, le 4 novembre 2017. Elle a été bâtie par Daisy Champion. L'idée a été mûrie par ce dernier depuis sa cellule de la prison à la Maca. Il a fait cette promesse à Dieu. Lui consacrer une œuvre. La maison du Christ est achevée. La promesse du chanteur-pasteur a été tenue. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre l'actualité sur la mort de Daisy Champion.